Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Uncharted The Lost Legacy. On a commencé à visiter quelque chose, on a été à la tour avec l'arc la dernière fois, plus un petit village qu'on a trouvé sur lequel on a trouvé une petite relique. Et on va s'avancer du coup, on va suivre la rivière pour remonter vers la tour avec la hache. Et on va voir si on trouve d'autres choses en roulant. Allez, on est parti. Donc on remonte la rivière. Presque. T'avais quel âge quand t'as commencé ? J'étais jeune. J'ai vite appris à laisser les gens croire qu'ils obtiendraient ce qu'ils voulaient, pour que je puisse prendre le dessus. Trop subtil pour moi. J'ai toujours préféré l'approche directe. Bon, tant que ça fonctionne. Allez, on est sur le bon chemin, on n'est plus très loin de cette tour. Ok, il y a un camion ennemi. Attention, on va laisser la voiture ici. Et on va la rechercher si besoin. Alors où est-ce que je suis par rapport à la tour là? Je suis juste en dessous, ok. Allez, ça va permettre de gagner le trophée chasseur de trésors débutant. Bon, a priori, j'ai besoin de la voiture puisqu'elle l'a ramenée. Ah, forcément. Hé, hey, regarde, la hache de Shiva. J'ai vu la même chose sur la tour. Shiva, c'est le dieu de la destruction, c'est ça? Oui, peut-être pas dans le sens où tu l'entends. Pas au sens littéral, alors. Si, mais aussi dans un sens plus positif, comme perdre son ego, abandonner ses mauvaises habitudes. Débarrasser de ses anciennes attaches. Exact. Comme toujours, avec plaisir. Et on va casser à nouveau la porte.
voilà. Je vais m'occuper de celle-là. Ok. Y a pas de quoi. Bon, on entre. Ça là, contre le tigre. Un combat loin d'être équitable. C'est ça là qu'a gagné, en fait. Il protégeait son gourou et tua l'animal d'un seul coup. C'est de là que vient le nom Oysala. Oy signifie coup dans leur langue. Eh ben, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Y aura un quiz après. Ils ont laissé leur matos d'escalade. Ça pourrait être utile. Correction. C'est notre matos. Oh, oh la vache. Oh, ça tire sur les poignets. Mince, je me suis fait repérer assez vite. Alors, il va falloir sortir de l'eau du coup. C'est par là! Dispersez-vous et cherchez partout! Ouais, c'était compliqué là. Allez, on recommence. On va essayer de passer plus discrètement. Je vais les échanger. Il va y avoir un gars ici avec des mains trop grandes. Je suis plus petit que la moyenne. Vous croyez qu'on parlait de tes pieds ? Oui, mais... Espèce d'enfoiré. Merde. C'était quoi, ça ?
Rien ici. C'est quoi ? Ouais, là, je suis regardé, je pensais avoir une meilleure position en fait, pour te cacher. Et là, c'était pas le cas. Tout va bien ? On va reprendre leur P90. Dans les oreilles ici, tout va bien. Bien ! On continue. Alors, maintenant, on va peut-être monter par là, je pense. Impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, voyons ce que ça fait. La statue a bougé. Bon, on va voir ce qui va se passer. Bon, je comprends rien. Ok. Oh merde, la statue a encore bougé. Figure-toi que se prendre un coup de hache, ça fait un peu mal. Et toi, tu veux essayer? Faudrait me payer plus cher que ça. Ok, va falloir faire attention au coup de hache du coup. Voilà, c'est comme ça qu'il faut passer. On devrait pouvoir passer là, je pense. Yes. Okay. Ok, je crois que ça a marché. Viens, j'arrive. Attention, lâche. Je t'ai eu? Non. Par contre, pourquoi t'as pas eu la hache, toi? Allez, du coup, ça va, c'était encore une ligne pas trop compliquée. On peut continuer d'avancer. Non, c'est pas vrai. Trois statues. Et on recommence. Avec deux symboles différents maintenant. Une étoile et des anneaux. Ce sont tous des symboles du soleil d'Oysala. Mais je préfère tes descriptions.
Ok, il va falloir passer en faisant attention cette fois-ci à toutes les choses. Là, par exemple, je pense que celle-là, elle va me taper. C'est vraiment pas passé loin. Ok, du coup, on va pouvoir avancer maintenant. Pas trop mal. Alors, ensuite. En trois coups. Voilà, et là normalement je vais pouvoir terminer. J'ai trouvé. Ok, c'est bon, à ton tour. Bien, je te suis. Et on continue de jouer. Bon, tu le savais, tout vient toujours par trois. Ouais, tu verras. Alors là, ils sont nombreux quand même, il va falloir faire attention. Il tape en tournant en plus. Ok. J'ai eu chaud. Bon, là, je devrais pouvoir passer par là. On recommence. Ça m'aurait pas fait du bien. Alors là, j'essaie de passer de ce côté-là, peut-être. Dire à mi-chemin. On était pas loin. Allez. Ok. Ça semble pas mal comme chemin, il aurait fallu que je fasse peut-être un petit retour en arrière à un endroit. On recommence une troisième fois.
Voilà, on est passé. Ouais. On avance. Ça fait du bien d'être dehors. Ça sentait bizarre là-dedans. La mort. Ça sentait la mort. Je pensais à de la moisissure avec l'humidité. La mort, c'est sûr. Et voilà. Je crois que ça va être l'image du nuage. Bien vu. Ça risque d'être ça, en effet. Ah, celui-là est un peu plus compliqué. Bouger l'anneau extérieur. Alors, l'anneau extérieur, il va là. Voilà. Ravi de te rencontrer, Shiva. Bon, on ouvre le robinet. Oh, 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 et si c'était différent cette fois? Ça pourrait être du feu, je sais pas. Tu te fiches de moi? Alors là, complètement. Ça, c'est fait. Une autre chute d'eau. Ouais, ça fait 2 sur 3. Et Ossala s'en donnait un mal de chien pour planquer la défense. Faut dire que la défense était le symbole de la domination à Ossala. Elle représentait leur prospérité et leur puissance. Un joli trophée pour les Perses. Ouais. Mon père a toujours pensé que la défense représentait quelque chose d'encore plus grand. Attends. Ton père cherchait déjà la défense? C'était devenu une obsession. Il a passé ses jours et ses nuits à la chercher. Il a gaspillé tout notre argent dans des expéditions stériles. Je connais la chanson. Et en fin de compte? Je sais pas. Il nous a éloignés, ma mère et moi, et disait qu'on était en danger. Et on est parti en Australie. Et me voilà aujourd'hui aux abords d'Alebidou. C'est plutôt ironique. Et le dernier fort est niché au-dessus des chutes d'eau, celui avec le trident. L'Australie. Je comprends d'où viennent tes manières. Ouais. Fraser est pas vraiment un nom indien non plus. C'était à ma mère. On retourne à la voiture. On retourne à la voiture, puis après on va se diriger vers le point d'interrogation. Super, un raccourci. Cool, on n'a pas à repasser par où on est venu. Je t'aurais fait éviter les haches. Oh.
celui près des chutes d'eau. C'est une bonne idée. On comprend mieux pourquoi Asap veut la défense maintenant. Je croyais qu'il voulait juste l'argent, comme nous. Il va s'en servir pour rallier des gens à sa cause. L'utiliser contre le gouvernement. Comme toutes les autres fois. C'est déjà arrivé ? Oh oui. Depuis que le jeune roi a perdu contre les Perses. Tout le monde voulait en récupérer un morceau. De ses terres. Moi qui croyais qu'on partait juste à la chasse au trésor. C'est le cas. Faut laisser des types comme Asap se battre pour ça. Ça nous regarde pas. La guerre, c'était tout ce que je savais faire. C'est vrai, mais tu le faisais pour l'argent. Généralement. Et quand t'as travaillé pour un sabre... Attends, sur la paroi de la falaise. Tu vois cette voûte? Elle a l'air intacte. Tu viens? Je vais dégourdir les jambes. Ça roule. C'est bon, on roule. Ok, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce... point d'interrogation. C'est quoi cet endroit ? Bien vu. Regarde-moi ça. Des singes. T'as l'air tout excité. J'aime bien les singes. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette structure. Ouais, des singes. À part les singes. Je vois pas de moyen de traverser. Moi non plus. Alors, il doit forcément y avoir un moyen. On va aller voir par là ce qui se passe. Voyons voir. C'est juste moi ou ça ressemble à une carte? On dirait notre carte. Eh bien, je vais le marquer. Ah, il y a tous les villages à aller visiter. Sur lesquels on pourrait peut-être trouver des petites pièces. Bah, du coup, on va les faire. On en a dû visiter un ou deux. Ok. Il y a une fente. Juste la taille d'un jeton. Je tente ma chance. Ça remplit un emplacement sur la carte. Ouais. Il se passera quoi si on les trouve tous? Regarde-moi ce bracelet. Ça a dû appartenir à l'une de leurs reines. Ok, ça pourrait être intéressant ça. Hop. Encore les armoiries d'un roi, Oysala. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le cacher ici. Ça, c'est en gros pour nous montrer comment ça fonctionne. C'est quoi les symboles là-haut? Les symboles? Ok, on va aller en visiter un ou deux du coup. Il y en a deux qui sont pas très loin. On va aller voir. On va essayer de récupérer tous les jetons de toute façon. Quitte à être là, autant en profiter. Ces personnages doivent être les anciens rois Oysala. Ils étaient 11 en tout. Allez, on va essayer d'aller récupérer ces jetons. Ça va trouver la défense? Je crois pas, mais... Ça rapporte, je sais. Eh oui. Allez, on y retourne. Hey, pas d'autre stopper. Bouh! Bon, t'es pas marrant. Quoi, tu veux qu'il chie partout sur les sièges? Alors ici, on a une caisse. Thank you.
qu'il y a quelque chose en haut ici. Allez, on va aller voir des ruines pas loin. Ça a l'air sûr. Ça a l'air sûr. On y va. Ok. Où on en était? On était en train de parler d'Asav. Ouais. Donc, alors, quand tu bossais pour Asav, c'était juste pour l'argent? C'était uniquement alimentaire. Ça en valait pas la peine. Aïe! Quel intérêt, alors? Je devais me faire une réputation. Je voulais commencer avec le pire de la bande. Je pouvais qu'aller plus haut après ça. Ok, à droite. C'est vraiment beau ici. Oh, attends. Doucement, on a des rebelles juste devant. Ok, je vais cacher la voiture ici. Voyons ça de plus près. On va commencer par le sniper d'ailleurs. Zut, un autre sniper. Merde, un fusil à pompe. Vous êtes les mauvaises personnes. Les contours. Dégage de là. Non! Je l'ai eu. Bon, c'est pas grave, on recommence. Yeah.
vous. En mater ici. On enlève la sécurité de nos flingues. On se disperse. Bon, moi cette fois-ci, on s'est fait le sniper d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, bon, ça c'est fait, j'ai juste commencé par aller récupérer mon P90. Maintenant j'ai fait le ménage. Et après ça, on va aller voir en gros pour essayer de trouver le médaillon. Tout ce qu'il va falloir, c'est trouver le médaillon. Après, peut-être là-bas. Ici, ils ont cassé le mur. Merde, rien par ici. Ils m'ont sûrement devancé. Alors, est-ce que c'est un des cadavres qu'il a du coup? Ouais, ou alors peut-être dans le camion. Ok, il est là. Livre service. Ah, te voilà. Et hop, je l'embarque. Ok, ça en fait un de plus. Alors, du coup, on a fait ça ici. On va aller récupérer quelques médaillons, tous ceux qui sont au nord de la rivière. Les quatre là, la prochaine fois. Je pense que ça va déjà pas mal nous occuper. Et puis, bah, on verra pour la suite, une fois qu'on aura fait ça. Je vais récupérer tous les médaillons. On ira aussi sur la dernière tour un petit peu plus tard, avant d'aller vers la sortie. J'ai envie d'avoir ce collier, pour avoir vraiment fait le jeu au complet. J'espère que cet épisode d'Uncharted The Lost Legacy vous aura plu. On se donne rendez-vous demain pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.